En menant toutes mes enquêtes paranormales dans Minecraft, je me suis montré plutôt courageux et téméraire. Bien souvent, j'ai même fait preuve d'inconscience. J'ai visité de nombreux lieux angoissants et j'ai croisé de nombreuses entités hostiles et terrifiantes. Pourtant, aujourd'hui, j'ai le sentiment de ne pas avoir fait le tour de la question et l'impression que mon parcours dans le monde des fantômes de Minecraft est encore incomplet. Et pour tout vous dire, j'en connais la raison. Il y a une rencontre que j'ai toujours cherché à éviter. Une entité illustre, incontournable, redoutée, que je n'ai jamais osé interpeller, et à ce jour, aucun épisode de Beyond Minecraft ne lui a encore été consacré. Et j'ai presque envie de dire que c'est une erreur. Une erreur que j'ai décidé de corriger avec ce dernier épisode. En effet, j'ai décidé de faire face à la légende et de démystifier ou de prouver l'existence du plus célèbre des fantômes de Minecraft. Aujourd'hui, je vais tenter de rentrer en contact avec Herobrine. Difficile de prouver l'existence d'Herobrine. On raconte que Marcus Persson, alias Notch, le créateur de Minecraft, aurait lui-même implémenté ce mob rare dans son jeu. Herobrine serait un personnage humanoïde censé représenter le fantôme de son frère défunt, qui apparaîtrait de façon hasardeuse et peu fréquente sur les maps des joueurs pour les hanter. Une histoire qui, même si elle a été réfutée par Marcus Persson lui-même, persiste encore et fait désormais l'objet d'un véritable mythe. Ce fantôme serait plutôt un démon, un esprit farceur et maléfique. Ceux qui l'auraient rencontré rapportent qu'en dehors de ses yeux totalement blancs et vides, Herobrine ressemble en tout point à Steve, le personnage de base de Minecraft. Ses apparitions seraient sournoises, ses attaques inattendues, ces dernières menant généralement à une mort certaine. Alors Herobrine existe-t-il vraiment? A-t-il réellement fait partie du jeu? Si certains affirment qu'il n'a jamais existé ou qu'il aurait été retiré de Minecraft il y a quelques années, d'autres entretiennent le doute et font perdurer la légende. Dans ce nouvel épisode de Beyond Minecraft, je compte en avoir le cœur net en tentant de rentrer en contact avec Herobrine. Je compte réunir toutes les conditions favorables à son apparition sans pour autant utiliser la moindre extension ni aucune modification permettant de rendre possible son apparition. Mon objectif est simple, tenter de démystifier ou de prouver son existence. Je m'appelle GusDX. Je suis ce qu'on appelle un chasseur de fantômes. J'ai vu quelque chose, je suis sûr d'avoir vu quelque chose. Mais pas un chasseur de fantômes comme les autres. Putain. J'enquête dans Minecraft et je traque les entités qui hantent ce jeu. Oh putain ! Seul, équipé de mon matériel, je mène mes investigations sur des maps censées être le théâtre de phénomènes paranormaux. J'ai pas rêvé. Des lieux qui abriteraient des esprits, des poltergeists ou encore des démons. Oh putain! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'il s'agisse de légendes, de faits avérés ou de superstitions, vous allez voyager avec moi au-delà de Minecraft. Les conditions climatiques sont particulièrement difficiles pour cette enquête aujourd'hui. Bonjour à tous. Enquête qu'on va mener en partie dans les bâtiments qui sont en face de moi. Je vais vous expliquer tout de suite de quoi il s'agit. C'est un ancien hôpital pour enfants, un hôpital spécialisé dans la pédiatrie et aussi dans la psychiatrie. On y accueillait principalement les enfants malades, que ce soit des handicaps physiques mais aussi des handicaps mentaux. Avec normalement une extension dans laquelle étaient justement accueillis
les enfants touchés d'handicaps mentaux. Pourquoi cet hôpital ? Eh bien simplement parce qu'après certaines recherches que j'ai menées au sujet d'Hérobrine, au sujet du frère de Notch, puisque la légende raconte que Notch aurait intégré Hérobrine en hommage à son frère dans le jeu qu'il a créé, semblerait que le frère de Notch en fait soit mort assez jeune et qu'il était justement atteint d'un handicap physique et un handicap mental dont malheureusement je n'ai pas trouvé le détail. C'est pas exactement ce qu'il avait, en tout cas apparemment il en serait mort. Je pense, on peut imaginer, que son frère, que le frère de Notch, alias Hérobrine, je ne sais pas quel est non plus son vrai nom à l'origine, ait pu séjourner dans ce type d'endroit avant de mourir. Un hôpital comme celui-ci, certes en meilleur état, celui-ci est délabré, en ruine. Il a été tagué, squatté, on le voit bien, et peut-être même dangereux, c'est ce qu'on découvrira. Je vous propose qu'on fasse tout de suite le tour du bâtiment, des extérieurs, de l'intérieur, et qu'on commence à piéger l'endroit en attendant la nuit. L'idée étant de poser une série de capteurs que vous allez découvrir dans un instant et qui vont nous permettre de savoir s'il se passe quelque chose à quelques endroits de ce lieu. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vois juste là en fait qu'il y a un parc avec balançoire, toboggan, des bancs, une table. J'espère que ce lieu va attirer Hérobrine s'il existe bel et bien. On va poser un capteur ici tout de suite. Alors regardez le type d'appareillage que j'ai décidé d'utiliser. C'est de la haute technologie. On va poser ça là. Je vais modifier ce paramètre. En gros, quand on s'approche de ce bloc, dans un rayon de 8 blocs, il s'allume et envoie... Ah ouais, il s'allume exactement comme vous l'avez là sous vos yeux. Et quand on s'en écarte, il s'éteint. Normalement, voilà. Donc en gros, si une entité s'approche de ces balançoires, eh bien ce bloc va s'allumer. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va... Oh mince, je ne l'ai pas posé au bon endroit. Il va déclencher ce bloc-là, enfin l'allumer, et ce bloc en fait va envoyer un signal à un autre bloc receveur que j'installerai dans la petite cahute que je me suis construit en arrivant, mon camp de base, dans lequel je vais pouvoir me mettre à l'abri, en tout cas en début de soirée. Et ce signal déclenchera une alarme qui me permettra de savoir eh bien, à quel endroit et où il y a peut-être une apparition, quelque chose qui aurait pu déclencher ce type de mécanisme. Je ne suis pas si je suis très clair, je ne sais pas si je suis très clair, c'est pas très grave. J'avoue aussi que la pluie me gêne beaucoup. Je vais ici noter qu'en signal 0, on est dans le parc. Voilà qui est fait. Je prends des notes au fur et à mesure pour me rappeler des installations que j'aurais effectuées tout au long de la journée. On va aller un peu plus loin, par là-bas. On va rester à l'extérieur pour le moment. L'endroit est particulièrement sordide en fait. Et la pluie y est pour beaucoup, je pense. La pluie et le brouillard. Donc on est vraiment là derrière le bâtiment. Très peu de fenêtres, c'est ça qui est assez effrayant, je trouve. On est face à un bloc de béton sur lequel quelques arbustes ont commencé à pousser. La nature reprend ses droits petit à petit. Oh la vache, ça par contre ça fait flipper grave. J'ai l'impression qu'on a ici un cimetière. Et oui, comme dans tous les hôpitaux, on peut imaginer qu'il y a eu des décès. Oh là là, ouais, c'est bel et bien un cimetière, on a des pierres tombales, des croix. Il n'y a pas de nom à aucun endroit. Oh la vache, c'est glauque. Ah, j'en ai des frissons, c'est très très bizarre. Et se retrouver seul ici... C'est encore plus bizarre, même si je sais que vous êtes avec moi, d'une certaine façon. Et j'avoue que vous parler est assez rassurant. Là, c'est totalement délabré. Je fais le tour derrière aussi. Ok, on va poser un autre capteur dans ce cimetière. On ne sait jamais. On peut imaginer là aussi que si Hérobrine est bel et bien décédé, et que c'est un fantôme, peut-être qu'un cimetière l'aidera, enfin, l'invitera à apparaître. De la même façon, je vais poser ce bloc. Et
le transmetteur qui va avec. Et je vais indiquer... Ah oui, transmetteur que je dois régler sur 1, canal 1. Ce que je vais indiquer dans mon calepin. Voilà qui est fait. Cimetière, c'est pas très grave. Petite faute d'accent. Ça fonctionne. Allez. Alors je suis temporairement à l'abri, ça fait du bien. Parce que là je suis trempé. Ah bah ça a été de courte durée. Donc là on est vraiment sur la droite du bâtiment. Un peu à l'extérieur, il y a une espèce de passerelle juste au-dessus de ma... J'ai l'impression d'entendre quelque chose, mais c'est pas la chauve-souris. Il y a beaucoup de chauves-souris d'ailleurs. C'est pas la chauve-souris. J'ai l'impression d'avoir entendu un sifflement, une espèce de... Comme du vent qui souffle. J'ai peut-être halluciné, je ne sais pas, avec ce bruit de pluie incessant qui me martèle le crâne. Là, on a un petit endroit où... Une espèce de petite coursive... Avec un endroit pour s'asseoir, une fontaine. À la même manière, on va mettre un capteur juste là. On ne sait jamais. On va appeler cet endroit fontaine. Voilà qui est fait. Et donc, c'est le 2. Canal 2. Oh là 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 là, c'est glauque. C'est super glauque. Bon. Très bien, on va rentrer dans le bâtiment maintenant. On a le mur là qui est ouvert aussi. Oh la vache. Je sais pas si je peux entrer. J'ai l'impression que ça a brûlé ici. Je vais pas pouvoir rentrer si c'est bon. Il y a dû y avoir un incendie parce que les murs sont couverts de suie. Je suis pas seul. On a un petit habitant, la tête en bas, juste en face. Juste devant ces portes, qu'on va aller ouvrir d'ailleurs. Je suis à l'abri, mais je me sens vraiment pas en sécurité. C'est assez particulier comme sentiment. Excusez-moi, madame la chauve-souris, je voudrais passer. Waouh. Eh ben tout est pété derrière, ces portes ne mènent nulle part. Je sais pas si je mets un capteur ici, je pense pas, je n'en vois pas l'intérêt. On reviendra de toute façon cette nuit. J'ai un autre radar que vous découvrirez tout à l'heure, portatif celui-ci. Et de toute façon, on procédera à un nouveau tour quand la nuit sera tombée tout à l'heure. Et voici l'entrée principale. Alors je referme la porte, vieux réflexe. Fameuse porte ouverte et fermée. Je sais que les portes derrière moi seront fermées. Il y a des chauves-souris partout. Donc on attaque direct avec un petit escalier qui nous mène. Les portes en bas apparemment ne s'ouvrent pas. Cet escalier nous emmène déjà à un premier étage avec la réception. Je vais mener une visite rapide. Je vais allumer ma frontale. Voilà. Alors je découvre les lieux avec vous. Ça risque... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un coffre-fort. Qu'est-ce que ça fout là? Et là, je trouve un trésor. Et je suis riche. C'est une chasse aux fantômes, pas une chasse au trésor. Restons concentrés. Sans doute une ancienne salle d'archives, j'en sais rien. La réception étant là, avec l'accueil, c'est sûrement effectivement une salle d'archives dans laquelle on rangeait tous les dossiers des patients.
Alors là, ça descend. Est-ce qu'il y a une cave? Waouh. Ces chaînes qui pendent du plafond, c'est super glauque. Carton. Tout est un peu en désordre. Ok, une petite cave, un stock. Je sais pas trop ce qu'on entreposait ici. Je veux pas savoir. Je mets pas forcément... Ah, j'en sais rien. Est-ce que je mets un capteur ici? Allez, on va le faire. Je vais utiliser un autre système. Avec un système laser. Je sais pas trop où je vais le mettre. On va le mettre comme ça. Voilà. Si quelque chose traverse le laser qui est devant moi, ça déclenchera un signal de la même façon que pour mes autres pièges. Alors là, donc, on est en 3. Ça déclenchera un signal. Vous voyez, ça s'allume. Donc si quelque chose le traverse, ça déclenchera une alarme au camp de base. Je vais donc noter qu'en 3, nous sommes dans la cave. Voilà. Toute cette installation va être un petit peu longue. Je vais faire des coupures. Même si j'ai envie de rester avec vous, c'est rassurant de vous parler, à vrai dire. Et en plus, je veux vraiment que vous découvriez les lieux qui sont certes assez effrayants, mais en même temps particulièrement waouh, kiffants pour peu qu'on aime visiter les endroits un peu paumés. Waouh. On a un long couloir devant nous avec une porte au fond. Sans doute la porte qui permet de passer cette passerelle, vous savez, qu'on voyait depuis l'extérieur. Et d'autres étages. Et il faudrait pas que je me perde. Petite pièce vide. Est-ce que la pluie s'est arrêtée? Ce serait une très bonne chose. Non, il pleut encore. Oh là là, les chambres. Ah, tout est pourri, tout est vraiment pourri. Le papier peint est totalement décollé. Les lits sont dans un état minable. Il y a encore des équipements, mais alors ça a moisi, c'est dégueulasse. C'est d'un glauque. Oh la vache. Les portes. Faut que je pense à les fermer systématiquement. Isolation des patients. Ah, il y a d'anciennes radios posées sur les murs. Oh là là. Et j'entends encore des chauves-souris. J'ai l'impression qu'il y en a mais vraiment partout. Je sais pas s'il y a des fantômes, en tout cas il y a des chauves-souris. J'espère qu'elles n'interféreront pas dans les différents systèmes qu'on aura mis en place. Si elles déclenchent les alarmes, ça va être un peu problématique. Effectivement le passage dont je parlais tout à l'heure, cette passerelle qui permet d'aller dans cette autre zone de l'hôpital. Oh là là, on dirait une prison, c'est glauque. C'est hyper glauque. Alors, il s'agirait de ne pas tomber. On peut pas ouvrir ces portes. Je suis en train de me demander si on n'est pas dans l'extension psychiatrique de l'hôpital. Avec ces petites cellules molletonnées, de part et d'autre, dans lesquelles on devait enfermer les patients les plus dangereux. C'est super glauque. C'est hyper glauque, le lieu est juste flippant. On a des portes là. Waouh. Une autre chambre, en meilleur état que celle qu'on a vue précédemment. Oh là là, il reste des dessins sur les murs. Oh là là, et des photos. Oh, c'est space. Oh, c'est flippant. C'est hyper flippant. Oh, pff. Oh là 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 là. En même temps, je suis en train de me dire que c'est le genre d'endroit qui pourrait bien...
qui pourrait bien permettre l'apparition d'Hérobrin juste là. Papa, maman, moi et le chien. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre de voir tous ces dessins. On va poser un autre capteur juste ici, dans cette pièce. Ah, ça me met mal. Je suis vraiment pas bien ici, en fait. C'est la zone 4. Ah ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment très désagréable de se trouver ici. On va l'appeler chambre. Voilà, et je compte pas de toute façon piéger toutes les pièces et toutes les chambres de cet hôpital. Seulement quelques-unes. Je referme la porte. J'ai l'impression d'entendre des bruits depuis tout à l'heure, mais ça doit être... Non, ça doit être moi. Je dois me tromper. Faut pas que je pose non plus trop de pièges, au risque de me retrouver avec des sonneries dans tous les sens, notamment à cause des chauves-souris, et débordé par... C'est quoi cet endroit? Les carreaux, on a l'impression d'être dans une douche géante. Ah, c'est peut-être les endroits, vous savez, où on projetait de forts jets d'eau sur les patients. C'était une thérapie tout à fait ignoble quand on y pense. Quand je quitte cet endroit, ça me déplaît complètement. Et ça, c'est quoi? Oh là 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 là. Oh, il y a encore du sang sur les murs. Mais c'est quoi? On dirait un abattoir. Moi, je sors, reste pas là-dedans, moi. Je me barre. Allez, on va quitter cet endroit qui me met vraiment pas à l'aise. J'espère qu'on n'aura pas à revenir. Bon, on reviendra forcément, mais j'espère que c'est pas ici qu'il se passera, s'il doit se passer des choses. J'espère que c'est pas ici qu'il se passera le plus de phénomènes. Parce que vraiment, l'endroit est très malsain. Mais clairement, je vais refermer la porte. Voilà pour la visite du rez-de-chaussée, enfin du premier étage et de la partie psychiatrique de l'hôpital. Il y a d'autres étages, on va vite, vite les parcourir, on a là aussi. Ok, allez-y. Grimpons. Ok, là donc de la même manière, j'imagine qu'il y a des chambres. Tout est dans un état glauque. Il y a des détritus partout, c'est vraiment pas entretenu, c'est horrible. Encore une chambre, je vais la laisser comme ça. C'est-à-dire, je ne vais pas la piéger. Encore une... Ah ! Oh putain ! Oh la vache ! C'était quoi ça ? C'était quoi ça ? J'ai pas rêvé, il y a une sorte d'explosion, on a un... Enfin... Il y a quelque chose qui a explosé. On a l'impression j'ai l'impression d'avoir entendu une explosion ou alors une, je sais pas, comme si des planches, de grosses planches tombées au sol. Vous allez voir que le lieu est vraiment hanté et qu'il n'y a pas forcément que Hérobrin qu'on va croiser cette nuit, si on le croise, mais d'autres fantômes. Bon, on va pas se formaliser. Un bruit de ce type dans un vieil hôpital désaffecté et limite en ruine, c'est pas forcément non plus étonnant, étonnant. On va quitter l'endroit. Je vais pas pour autant mettre de capteur ici. De toute façon, je compte pas forcément en mettre partout. À cet étage-là, on ne va rien mettre. On va visiter les autres. De toute façon, on va se promener pendant la nuit. Avec des torches et un autre capteur mobile que j'aurai sur moi. Allez, on va monter à l'étage. D'autant qu'a priori, tous les étages se ressemblent un peu. Ah, ascenseur. Je ne vais pas rentrer dedans. Trop risqué. Ça, c'est une chauve-souris qu'on entend. Encore une chambre. Les lits sont bien rangés. Bien ordonnés. C'est crado, mais c'est bien rangé. Ah ! Tu m'as fait peur, petite chauve-souris. Oh, le papier peint qui déchire. Ah, le papier peint d'une autre époque. Non, là, je vais pas mettre de capteur. Encore une chambre. Pas de capteur ici, ça ferait trop de lieux à surveiller. Encore une salle d'isolation. Ah, mais laisse-moi tranquille, toi. Qui est fermée. Allez, on va grimper aux étages suivants. On a déjà, je crois, 4 ou 5 lieux en surveillance. Ça devrait suffire. Dernier étage.
On a une échelle là, on va aller voir dans quelques instants. Là, les portes sont... Ça, c'est des portes fermées. Wow, wow, wow. Oh, les toilettes. Bon, on sait où aller s'il y a une petite urgence. Même si... Enfin, faut vraiment avoir très envie pour venir... Je sais pas si c'est des toilettes ou des douches, en fait. Des toilettes à la turque ou des douches, j'en sais rien. Mais il faudrait me payer très cher pour que je prenne une douche ici. Encore une chambre. Je vais refermer la porte. Et là, sans doute encore une de ces zones de soins palliatifs, vous savez, avec le système de jet d'eau. Je ne sais pas trop comment était organisé cet hôpital. Un dernier étage, peut-être là aussi, des malades psychiatriques, je n'en sais rien du tout. Oh là, pouh, aucune envie d'être là, moi. C'est quoi, c'est un grenier ? On est vraiment sous les toits, on entend bien la pluie à nouveau. Ok, ça c'est la machinerie du... Il y a du sang sur... Je sais pas si c'est du sang, de la peinture. J'ai envie de dire que c'est de la peinture. C'est de la peinture, tout va bien. La machinerie de l'ascenseur. Et puis sans doute des aérations, un système de conduite. Ok, on se barre. Très bien, on a fait le tour. On connaît les lieux, nous reviendrons cette nuit. J'ai posé... quelques équipements de ci, de là. Donc, allez. Faisons le point. On couvre le parc avec les jeux, le cimetière, la fontaine, la cave de ce bâtiment et la chambre de la zone psychiatrique. Ce sera amplement suffisant, sachant que je rajouterai certainement un autre capteur là où je vais construire des totems. Ces fameux totems censés appeler Robrine, qui ne serviront sans doute à rien. Mais je vais vraiment tout essayer pour pouvoir l'invoquer et le faire apparaître. J'entends plus la pluie, on est redescendu. Je me suis en train de me demander si le beau temps... Oh ! Il pleut plus, génial. Génial ! Eh bien le beau temps est avec nous. On va attendre que le soir tombe pour construire nos totems dans la zone que je vous ai montré tout à l'heure. Dans l'immédiat, ce que je vais faire, c'est aller installer mes récepteurs dans ma zone de campement. Vous pouvez remarquer que l'éclaircie aura été vraiment de courte durée, le temps que j'installe le matériel qui est derrière moi. Et heureusement que j'ai fabriqué ce auvent en bois, le matériel est à l'abri, et moi aussi. Eh bien, la pluie tombe à nouveau, malheureusement. Je vais tout de suite vous montrer comment tout cela va fonctionner, comment tout cela est installé. Regardez, nous avons ici des récepteurs. Chaque récepteur a le même canal que, par exemple, là en l'occurrence, le transmetteur. Voilà, cherchez le mot, le transmetteur qui est dans le parc. Le transmetteur sur le canal 1 qui est dans le cimetière. Ici, la fontaine, la cave, la chambre et les totems. Ça, c'est en prévision de l'installation que nous ferons juste avant la tombée de la nuit, c'est-à-dire dans quelques instants. Je pense que le jour va bientôt se coucher. On a donc aussi ces blocs qui sont en fait des blocs lumineux qui vont s'éclairer. À chaque fois qu'il y aura un signal, eh bien, ça va s'allumer. Et il y a aussi ces petites alarmes posées juste derrière qui devraient retentir en même temps que la lumière qui s'éclairera. Voilà, j'ai fait, regardez, juste devant nous, une petite simulation pour vraiment vous montrer, vous expliquer comment ça va fonctionner. Le bloc de transmission est sur 0. En gros, il correspond à celui qu'on a donc installé dans le parc. C'est-à-dire que quand je vais m'en approcher, on peut imaginer que quoi qui s'approcherait de ce bloc déclencherait exactement la même chose. Eh bien, normalement, la lumière qui est ici, ainsi que l'alarme qui y est jointe, vont se déclencher. Regardez. Wow. Voilà, ça fonctionne très bien. Et c'est ça. Et c'est bruyant et lumineux. A priori, si je m'endors cette nuit à surveiller tout ça, je pense que je serai réveillé. C'est l'avantage. Voilà, je voulais... Aïe, faut pas que je prenne feu. Je voulais vraiment vous montrer comment ça fonctionne.
avant la tombée de la nuit. Voilà, tout est installé. J'ai ma tente aussi, si j'ai envie de piquer un somme, c'est possible. Un coffre là avec du matériel qui est à ma disposition. Ah, j'ai pris avec moi une photo de Notch, une image censée représenter Herobrine, 2-3 équipements, je vous les montre rapidement, de quoi manger évidemment, de la tarte à la citrouille, cela va de soi, des potions de soins, et puis des potions qui sont en fait de l'eau bénite et qui devraient éventuellement me protéger si l'entité est négative. J'ai pris aussi des jouets, enfin un jouet, regardez, un creeper en peluche, on ne sait jamais, ça peut plaire à Herobrine, ça peut éventuellement l'attirer. Voilà, on attend que la nuit tombe maintenant. Aïe. Et puis on va surtout aller installer les totems. Ah, faut que je détruise ça absolument. Ça y est, la nuit est tombée, on va pouvoir commencer ce que je vais appeler le rituel d'invocation d'Herobrine. Il pleut toujours, les conditions climatiques sont vraiment pourries, c'est particulièrement difficile et assez insupportable en fait de rester comme ça sous cette pluie avec ce bruit qui vraiment me martèle. J'ai l'impression même qu'il... Alors je sais pas si c'est dû au fait qu'il fait nuit, mais j'ai vraiment l'impression qu'il pleut encore plus fort que tout à l'heure. Devant moi, j'ai eu, vous les voyez, vous les avez vus, je les ai construits. Les fameux totems qui sont généralement utilisés avec les mods et les plugins qui permettent de faire apparaître Herobrine dans les parties pour peu qu'on les ait installés. Et je le rappelle, je n'ai pas installé ces fameux mods ou plugins censés faire apparaître Herobrine. J'ai toutefois décidé de fabriquer ces totems et de mener une sorte de rituel pour tenter de le faire apparaître. Je ne sais pas si ce sera efficace, sincèrement, j'en doute. Mais je préfère mettre toutes les chances de mon côté. Je me dis que si quelqu'un a imaginé que des totems pouvaient faire apparaître Herobrine, il y avait certainement une bonne raison. On va pouvoir commencer ce rituel d'invocation. C'est un peu glauque à dire comme ça, mais on va l'appeler comme ça. Ah oui, j'ai rajouté aussi ici, comme je l'avais dit précédemment, un autre capteur réglé sur le canal 5. Vous voyez, il fonctionne, donc je suis à proximité. Éventuellement, si quelque chose apparaît ici... Quand je serai parti et que je serai à nouveau dans mon campement et j'ai hâte d'y retourner parce que j'en peux plus d'être trempé comme ça, ça sonnera, ça s'allumera là-bas, ça me permettra de savoir s'il se passe quelque chose ici. Vous avez compris le fonctionnement. On va commencer le rituel. J'ai plusieurs choses à faire, notamment allumer ces deux totems avec le briquet que j'ai ici dans la main, et j'ai aussi une comptine qui était en anglais, que j'ai traduit plus ou moins correctement, j'espère, et qui est une comptine d'invocation d'Herobrine que j'ai trouvée, et que je vais donc déclamer le mieux possible, en espérant qu'elle fonctionnera elle aussi, et qu'elle permettra de faire apparaître Herobrine. Ah oui, avant cela, un petit détail que j'ai oublié de faire, on va utiliser ces bougies. Je n'ai pas éclairé la zone, et c'est quelque chose que je voulais faire. Autant vous dire que là, j'emmène pas large, hein. À quelques minutes vraiment de commencer cette chasse aux fantômes avec cette pluie battante et la nuit et ce bâtiment qui est très impressionnant, en sachant qu'il y a un cimetière juste là-bas droit devant. Non, vraiment, je suis un peu en flippette déjà, mais je vais essayer de garder la tête froide un maximum. Bon, c'est parti, on va déjà allumer ce totem. Oh purée. Non, c'est rien, c'est le bruit de la flamme, j'ai flippé. Autant, voilà, vous voyez, je suis vraiment pas tranquille. A priori, rien ne se passe. Je me suis fait un petit escalier pour pouvoir facilement accéder au haut de ce totem pour pouvoir l'éclairer. Bon, et bien avant de l'éclairer, je vais déclamer ma comptine. C'est un petit peu bizarre ce que je suis en train de faire. J'ai l'impression vraiment d'être une espèce de prêtre vaudou, mais bon,
Parfois, il faut aussi tenter des choses. C'est parti. Rejoins-moi, Herobrine. Je sais que tu es là, tapis dans l'ombre, caché au plus profond de la mine. Je te demande de venir dans ce monde. Tu nous observes depuis l'autre côté, et tu es encore plus fort maintenant que l'obscurité est tombée. Herobrine, reviens d'entre les morts. Tu attends dans le brouillard, seul dans le froid, et tu réserves un destin noir à tous ceux que tu aperçois. Je connais les risques, mais je te demande de te montrer. Herobrine, je t'invoque. Montre-toi désormais. Rien ne se passe. Rien ne se passe, rien ne s'est passé. Bon, on va laisser les choses en l'état. On va retourner se mettre à l'abri au camp de base et attendre tout simplement. Je vais tout de même faire quelques photos de cet endroit, on ne sait jamais, on les regardera tout à l'heure. Voilà, et de une. Je vais en faire une autre sous un autre angle. Oh, 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 oh. Ah, j'ai dû rêver. J'ai eu l'impression de voir quelque chose là-bas, droit devant moi. Je vais prendre une photo. Voilà qui est fait. J'ai eu l'impression... Alors, je sais pas, vous peut-être aussi. J'ai eu l'impression de voir quelque chose là-bas au fond. Je saurais pas dire de... Une forme. Mais c'était peut-être une croix ou tout simplement un de ces poteaux. J'en sais rien du tout. C'était vraiment furtif. J'ai eu l'impression de voir une forme blanche... Au loin, se déplacer. Mais j'ai... Non, j'ai dû... Je psychote un peu. Je psychote un peu. C'est un peu normal en même temps. J'ai envie de dire que tout est fait pour ça. Hein. Bon, et eh ben écoutez, voilà. Je vais faire une... Ouais, j'ai fait une photo. Je vais retourner là-bas. Non, je suis en flip, en fait. Donc, je retourne au campement. En espérant que tout ça sera efficace et que je n'aurai pas installé tout ce matériel pour rien. J'ai l'impression que la météo est de pire en pire. Je me suis abrité sur... Oh purée. Oh là 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 là. Oh la vache. Oh le flip. Ah, c'est pas possible. Je suis en train d'essuyer une tempête. Une véritable tempête. C'est l'horreur. Je me suis mis à l'abri sous le porche. Enfin l'entrée de l'hôpital. Ce qui est pas particulièrement rassurant. Mais c'est même plus sec. C'est largement plus sec que là-bas dessous. Enfin je vais le rejoindre quand même. C'est effrayant, ce temps... Ah là 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 là, je vais me prendre un éclair sur la tronche. Et en plus, je suis en train de m'enrhumer. Alors, il se passe un truc très bizarre. Alors là, j'ai un gros doute. Oh mon Dieu. Oui, j'ai un gros doute. Il me semblait avoir écrit sur chacun de ces panneaux... À quoi correspondait chaque récepteur? Pourquoi ça tonne autant là d'un coup? C'est du délire. C'est quand même pas lié au totem. Alors, en général, le totem, quand on l'allume, on a un éclair ou une explosion qui se fait instantanément. Oh la vache! Oui, donc la première chose vraiment étrange, c'est qu'il n'y a plus rien d'écrit sur les panneaux. Il n'y a plus rien d'écrit sur les panneaux. Bref, j'ai dû repasser en créative. Le temps de regarder les photos, le mode que je vais utiliser pour pouvoir regarder avec vous les captures d'écran que je viens de faire, je suis obligé d'être en créative pour ça. Donc c'est vraiment temporaire, on repassera en survie juste après. Voilà le mode en question. Oh la vache. Oh la vache! Non mais j'hallucine pas là. Enfin non, non. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je zoome pour vous, mais enfin vous le voyez bien juste là. Oh la vache, ça marche! J'ai l'impression que ça marche. Herobrine est parmi nous. Regardez, on a ici deux petites lumières blanches. J'avais dit que j'avais vu un truc. Je vous avais dit... Oh putain! Je vous avais dit que j'avais vu un truc. J'avais vu un truc dans le cimetière. Ça, c'en est la preuve. Il y a bien un truc. Et ça, c'est les deux yeux blancs. Ah putain! Oh la vache!
ça c'est le cas. Oh la vache. Ah, je suis en flippette. Oh là 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 là. Ça c'est le capteur des totems qui vient de s'allumer et qui est encore allumé. On va aller voir ça tout de suite. Il faut que je mette mon capteur en route et que je repasse en survie. Voilà qui est fait. A priori, vous n'avez rien vu. Entre temps, regardez, le capteur s'est éteint. Mais bon, ça fait à peine 2 secondes, 2-3 secondes que je... En fait, je sais plus ce que je raconte. Je suis un peu paniqué. Je suis pris de court. Là, je pensais pas que les choses allaient s'accélérer comme ça. Et sincèrement, je suis surpris. Je suis très surpris de cette photo. Ces yeux qu'on a pu apercevoir. Enfin, voilà, faut peut-être que j'y aille de mollo. On n'est pas seul. On n'est vraiment pas seul, c'est sûr. C'est pas un bug, c'est ces petits yeux blancs, enfin ces points blancs, ces pixels blancs dans la nuit au niveau du cimetière. C'est pas un hasard, c'est pas possible. C'est dingue, c'est du délire. C'est du délire. Donc oui, quand je parlais de capteur portable, regardez en haut à droite de l'écran, j'ai le Ghost Tracker, un outil qui me permet de... Bah, si une entité ou quelque chose dans un rayon d'une vingtaine de blocs autour de moi, en face de moi en tout cas, si quelque chose est là, il apparaîtra sur ce radar. Et normalement, ça m'indique aussi à combien de cubes de moi il se trouve. La pluie vient enfin de s'arrêter. Je croise les doigts, il se peut très bien qu'il pleuve à nouveau. Oh la vache, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la lune. Et forcément... Les nuages se sont retirés eux aussi et on peut apercevoir et admirer la lune et les chauves-souris. Grosse prudence, ah, ça me met dans un état bizarre là, le fait que la pluie s'arrête, ça me pose, c'est assez étrange. C'est rien, ça c'est le feu. Donc a priori c'est ce capteur qui s'est déclenché. Pour quelle raison? Est-ce que c'est lié à ce qu'on a vu là-bas? Et là, je ne vois rien. Ou est-ce que c'est lié à ces chauves-souris qui volent un peu partout? Je ne sais pas du tout si elles sont capables de mettre en route les capteurs. J'en sais rien. C'est bizarre, cette torche est éteinte. Mince, je suis en train de mettre le feu. Est-ce qu'une chauve-souris est capable de déclencher le capteur? C'est ça que j'aimerais savoir. Regardez, elle est en train de s'approcher. Ouais, non, non, c'est pas elle. C'est pas la chauve-souris, là, j'en suis sûr. Elle a moins de 6 blocs, là, c'est sûr. Le capteur devrait se déclencher. Or, elle n'a aucune interaction avec ce capteur. C'est autre chose. Hérobrine, est-ce que tu es là? J'ai rien sur le Ghost Tracker. Je vais m'écarter un petit peu du capteur, voir si ça s'allume. Hérobrine, j'ai pris une photo où l'on te voit. On voit tes yeux, je suis sûr que tu es parmi nous. Je suis sûr que j'ai réussi à t'invoquer. Hérobrine, montre-toi. C'est difficile de dire ça avec beaucoup de conviction, parce qu'en fait, je suis mélangé entre l'envie vraiment de l'apercevoir et de le voir, en sachant que s'il apparaît devant moi, je vous le dis direct, l'épisode est terminé, on n'ira pas plus loin, a priori. Alors, je dis ça à chaque fois, puis je vais toujours plus loin. On va aller vers le cimetière. Attendez, j'essaie de revoir à peu près où je me trouvais. On voyait beaucoup moins bien tout à l'heure. Forcément, il pleuvait des cordes. Le brouillard était plus dense. Avec les nuages, tout était plus sombre. Donc j'étais à peu près par là. Et je suis en train de me demander si ce qu'on voyait sur la... Non, c'était vraiment deux yeux, c'est sûr. Vous voyez, il y a une... Juste là, on a une croix. J'étais à peu près comme ça, en fait, quand j'ai pris la photo. Et j'ai l'impression que ce que je pense être les yeux d'Hérobrine... En fait, il y a deux options. Soit c'était les yeux... Trois options. On a bien les yeux d'Hérobrine sur la photo. Ou alors, c'est des éléments de cette croix qu'on voit apparaître. Ou alors, ce sont les yeux d'une chauve-souris qui était là au même moment. Ce qui est fou, c'est que je ne l'ai pas vu quand j'ai pris la photo. J'ai pas le souvenir. Je regardais peut-être pas bien. Je n'ai pas vu du tout ses yeux au moment de prendre la photo. Voilà, ça pourrait aussi très bien regarder. On a cette chauve-souris là, et effectivement, ça fait deux petits points blancs. Pour peu! Bah non, en fait, ça se trouve, c'est la chauve-souris. Et ça se trouve, c'est la chauve-souris qui a déclenché le capteur qui est là-bas. En fait, tout peut s'expliquer. En tout cas, là, pour le moment, il ne se passe rien. Si, là, il y a quelque chose. Non, ce sont les ombres de la lune, a priori. Bon, on va retourner. Je vais peut-être reprendre une photo, juste pour voir.
qui est fait. Et puis on va retourner au camp de base. Le fait que la... J'espère qu'il va pas repleuvoir, mais a priori le ciel a l'air dégagé, on voit très bien la lune, il n'y a plus un nuage. La tempête a été quand même terrible. C'est très agréable de ne plus être sous la pluie. Je rejoins le camp de base. Et puis on va attendre de voir s'il se passe à nouveau des choses. En tout cas, mon ghost tracker n'indique rien. Pas d'hérobrine en vue. Je suis de retour dans le camp de base. Tout est très très calme, il ne se passe plus rien. L'idée dans l'immédiat, ce serait de comparer la dernière photo que j'ai prise avec la précédente, les deux photos du cimetière. C'est ce qu'on va faire. Donc ça, c'est la plus récente. Celle que j'ai prise alors que la nuit, la pluie s'est arrêtée. On voit ici donc la fameuse croix, celle que je... On va comparer. Et a priori, je ne vois plus rien, enfin rien de particulier, pas de point blanc. Et voici la photo prise précédemment sur laquelle... Ok, d'accord. Ouais, non, rien à voir. Rien à voir, ma théorie de la croix, déjà je peux mais l'écarter. Ça n'a rien à voir. La croix est ici, les yeux... Enfin ouais, les yeux, c'est des yeux d'Hérobrine, c'est sûr, ça a fonctionné, c'est pas possible. C'est un truc de dingue. En gros, là, je suis en train de prouver, je sais pas si vous vous rendez compte, que Hérobrine existe bien dans Minecraft. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Ça, c'est pas des yeux de chauve-souris, ça c'est clair, on a pu les regarder tout à l'heure, j'aurais dû prendre une photo pour comparer. Ça, c'est pas des yeux de chauve-souris. Ça, c'est les yeux d'Hérobrine, c'est sûr, il est forcément parmi nous. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Je sais pas si les totems y sont pour quelque chose, ça c'est de la fumée là-haut. Et ça, a priori, c'est une chauve-souris, justement. C'est un truc de fou. Donc déjà, plusieurs choses très étranges. Ces yeux blancs qu'on voit sur le cimetière, c'est clair, c'est les yeux d'Hérobrine, c'est exactement ça, c'est fou. Le capteur qui s'est allumé alors que, a priori, même une chauve-souris n'est pas à même de... Quoique, peut-être qu'une chauve-souris l'a fait, mais enfin, a priori, un capteur ne peut pas être déclenché par une chauve-souris. Et alors, la chose qui, pour moi, est la plus étrange, c'est l'absence de marquage sur ces panneaux, alors que je suis convaincu, mais vraiment convaincu, d'avoir écrit un truc, quoi. C'est pas possible. C'est complètement fou. En tout cas, il se passe déjà des choses très étranges, et je suis à peu près certain qu'Hérobrine est parmi nous. Je vais tenter d'aller le chercher un peu sur son terrain. L'idée, c'est vraiment de le voir apparaître réellement. Une photo, ça me suffit pas. Ce que je vais faire, c'est récupérer la photo de Notch et la photo d'Hérobrine. Et puis ça... Ah oui, le creeper. Et je vais... Ah ! Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bis ? Oh la vache! J'ai perdu l'audition là. Vous aussi j'imagine, c'est quoi ce délire? Oh le beans! Tous les capteurs se sont déclenchés en même temps, c'est juste impossible! C'est juste impossible! Ce qui vient de se passer, c'est juste impossible! Tous les capteurs ne peuvent pas se déclencher, enfin il ne peut pas y avoir 5 capteurs en même temps, au même moment qui se déclenchent. J'ai quand même pas fait une connerie particulière, c'est sûr. Non mais ça marche très bien. C'est quoi ce beans? Un truc qui cloche. Je vais aller voir tout de suite. On va aller, le premier capteur est par là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je garde un œil sur mon ghost tracker, ou alors c'est un coup d'Hérobrine. De toute façon, on sait qu'il est là. Faut, en fait, maintenant, voilà. Faut bien que j'ai en tête que je ne suis pas seul sur cette map, dans cet endroit, et qu'a priori, s'il se passe des choses étranges, c'est presque normal. Oh, c'est pas vrai. Je deviens dingue. Je sais pas si je deviens pas dingue. Là, il y avait bien le... Enfin, le... Voilà. Ok,
Le capteur était là, il n'est plus là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'avais bien mis là. Ah, ça me fait flipper. Ça me fait flipper. Je suis désolé, hein, je suis un peu sans voix, mais là, je suis flippé. On va aller voir les autres endroits. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression qu'on me suit. Non, là je psychote. Oh la vache, non mais là non plus. Là aussi, enfin, là aussi, il n'y a plus de capteur, il n'y a plus rien. C'est fou ça. C'est quoi ce délire? Normalement, on en a deux autres par là-bas. S'ils y sont pas, alors là, je comprends plus, quoi. Je ne comprends plus. Ouais, non, alors là, c'est fou. Ouais, là, non, enfin, là, il y a déjà... Alors, il n'y a plus le capteur, déjà, enfin, le transmetteur et le capteur, et... Ah ! Qu'est-ce que c'est que ce putain de bruit ? Oh, la vache ! Oh là 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 là, je suis en panique totale. Les capteurs ont disparu, les torches que j'avais installées aussi. Hérobrine, je sais que tu es parmi nous. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'indices qui me laissent penser que tu es là. Oh là 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 là. Montre-toi. C'est sûr, il est là. Je sais pas s'il va se montrer. Je le rappelle que c'est un esprit particulièrement malin, farceur, qui va chercher à me surprendre à chaque fois, là et au moment où je ne m'y attends pas, ça j'en suis sûr. Et le truc qui est dingue, c'est qu'on est avec Hérobrine. Ah bah là, il y a encore le capteur. Le capteur est resté dans le cimetière. Alors attendez, il faut que j'aille voir dans le bâtiment. Faut que j'aille voir dans le bâtiment. Est-ce que ça veut dire quelque chose? J'en sais rien. Ouais, je sais pas si je m'invente pas des histoires. Les capteurs ont disparu partout, sauf dans le cimetière. Il faut que j'aille voir dans la zone... Oh putain, faut que j'aille voir dans la zone psychiatrique. Mon dieu, pas maintenant. Bon, on va y aller. Ouais, je marque un arrêt. Excusez-moi, mais je suis convaincu d'être suivi là, c'est sûr. C'est hyper bizarre. J'ai l'impression d'être suivi. Ah ! Oh putain, qu'est-ce que c'était ? Ah, vous l'avez vu là, comme moi, vous l'avez vu. Il y avait une ombre noire, elle est partie sur la droite dans le mur. Et mon radar n'a rien capté, mon ghost tracker n'a rien capté. C'est quoi ce trip ? C'est quoi ce délire ? Oh la vache! Maintenant j'ai même plus envie d'aller dans le... J'ai même plus envie d'aller dans l'hôpital, là, de rentrer, en fait. Enfin, si je vais y aller, il faudrait que je vérifie que le capteur y est ou pas. Sinon, on retournera dans le cimetière. J'y vais. Il y a un truc, je suis sûr, mais il faudrait revoir la vidéo, vous la verrez vous. Je suis sûr d'avoir vu une espèce de personnage d'ombre noire se déplacer et rentrer dans le mur. J'en suis convaincu. Oh là 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 là. Alors je vais être très très vigilant. Ah, c'est chelou, j'ai l'impression d'être suivi, c'est vraiment bizarre, excusez-moi. Donc, il faut que je monte à l'étage au-dessus. J'emmène vraiment pas large là pour le coup. Alors, j'avais pas fermé les portes moi. Bref, je vais pas me focaliser là-dessus, parce que là, je... Ok, là aussi, c'est ouvert. Waouh. En fait, toutes les portes sont ouvertes. Ça, c'est bizarre.
Je suis sûr de les fermer derrière moi. C'est vraiment un truc que je fais maintenant systématiquement. Oh mon dieu. Vous avez vu comme moi, en face, les points blancs, les yeux blancs. Ils étaient là-bas au fond du couloir. Oh la vache. Hérobrine ! Hérobrine, je t'ai vu, je sais que tu es là. Est-ce qu'il est possible... Oh, truc de dingue, de discuter avec toi. Est-ce qu'il est possible de discuter avec toi ? Un petit peu prétentieux de ma part que de penser pouvoir discuter avec Hérobrine. Ce serait bien le premier à y arriver, quoique... Certains disent qu'il prononce des phrases parfois incompréhensibles ou écrites à l'envers dans le chat du jeu. Ah, mais il était là-bas au fond du couloir, c'est du délire. Je vais rester là un petit moment. Non, je vais aller voir le capteur. Oh putain, c'est une chauve-souris. Je suis en flippette en fait, je suis en totale flippette. Oula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 l
L'entrée de l'hôpital est barricadée. Comment je fais maintenant? Comment je fais pour partir? C'est du délire ce qui se passe depuis tout à l'heure. C'est du gros délire. Il faut que je quitte cet endroit au plus vite. Ah! Ah! Quelque chose vient de me taper. Il faut que je prenne de la nourriture. Mes potions. Waouh, c'est quoi ce délire? J'en tremble. Oh, je suis dans un état de panique. C'est horrible. Wow, il se passe des choses trop bizarres. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Faut que je me barre, faut que je trouve une sortie. Il faut que je trouve une sortie. Et le plus vite possible. Ah! Ah! Là! Là! Mon radar. Et Robin, laisse-moi tranquille maintenant. Je veux partir. Ah! Ah! Quelque chose m'a tapé. Ah mon dieu, je vais devenir dingue! Je vais devenir dingue! Je vais essayer de grimper jusque sur le toit, il y a peut-être une ouverture, je sais pas. Si je le vois, je lui jette cette potion à la gueule. Et Robrine, tu ne... Ah! Je vois rien! On me tape, mais je vois rien du tout! Le Ghost Tracker indique quelque chose à 12 blocs devant moi. Ah là, on me tape encore! Putain, toutes mes affaires. Il joue avec moi. Il est littéralement en train de jouer avec moi. C'est du délire ce qui est en train de se passer. Ah, ces bruits sont horribles! Ça vient de se calmer. Et Robrine est juste là, à quelques blocs. 8 blocs. Je vais grimper par là. Ah. Oh, le flip. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus calme d'un coup. Est-ce qu'il aurait décidé de me laisser tranquille, ce serait génial. J'avais pas emprunté cette conduite, peut-être que ça... Ah! Wow. Et merde, c'est bouché! Oh non! C'est complètement bouché, il faut que je trouve une sortie, c'est pas possible. Ah! Ah non, mais c'est horrible! C'est juste horrible! Par là, un escalier. Ah! Et Robrine, laisse-moi tranquille, je t'en supplie, laisse-moi tranquille! J'entends une petite fille. Ou un enfant pleurer, ou quelqu'un pleurer. Ah, c'est glauque! Il y a une trappe juste là. Je suis sur les toits. Et Robrine, laisse-moi tranquille, je veux juste partir. Ah! Et je fais quoi maintenant? Je fais quoi maintenant? Wow! Mais je peux pas descendre des toits! Ah! Ah! Laisse-moi, Hérobrine! Ah! Je suis propulsé dans les airs, on me tape, c'est n'importe quoi! Et je peux rien faire du tout! Je ne peux rien faire du tout! C'est horrible! Horrible! J'entends rire, j'entends des bruits horribles! Ah! 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 Oh mon dieu! Quelle horreur! Je suis où là? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas mort? J'ai fait une putain de chute! Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Où est mon équipement? J'ai plus rien sur moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Mon dieu! Mais je suis où là? Hérobrine! Hérobrine! Je suis où là?
Laissez-moi sortir, je vous en supplie, laissez-moi sortir, arrêtez de jouer avec moi. J'en peux plus, je veux quitter cet endroit, je vous ai rencontré, j'ai prouvé votre existence. C'est tout ce que je voulais pas vous importuner, j'en suis désolé. Si je vous ai dérangé, si je vous ai... J'ai beaucoup de respect pour vous, mais s'il vous plaît, laissez-moi sortir d'ici. Laissez-moi sortir d'ici. Mais c'est quoi cet endroit? J'ai l'impression que je suis dans une des cellules capitonnées de la zone psychiatrique de l'hôpital. Ah non, mais me laissez pas là, laissez-moi sortir. Hérobrine, je vous en supplie, ouvrez-moi cette porte. Je vous en supplie. Laissez-moi sortir, me laissez pas là. Je vous en supplie. Hérobrine, Hérobrine. Mais c'est pas vrai, où est-ce qu'il va? Hérobrine, revenez. Oh non, je veux pas rester ici. Je veux pas rester ici. Hérobrine, non. Je vais devenir dingue. Laissez-moi sortir d'ici. Hérobrine, je vous en supplie. Hérobrine.